suivi de Lascamo Possevo sur la chaîne Will Mastro Reaction. Alors, comme vous avez vu avec la première vidéo, j'essaie de retrouver effectivement. Alors, je suis parti en Ukraine, comme vous venez de l'entendre. C'est mes salutations en ukrainien. Et nous allons partir sur une chanteuse que je ne connais absolument pas. Et on m'avait proposé cette chanteuse. Et donc, j'ai décidé de l'associer à notre ami Dimash pour justement essayer de la pousser un petit peu plus parce que tous les bons chanteurs ont besoin de, comment ça s'appelle, d'avoir de la visibilité. Et c'est le cas avec, alors comme je vous l'ai dit, cette jeune dame s'appelle Annie Lorac. Voilà. Et elle va nous interpréter Tiens mon cœur. Donc ceux qui ne connaissent pas Annie Lorac, n'hésitez pas, venez ici en haut à droite. Il y aura sa playlist sur la chaîne et ainsi que sa chaîne YouTube. Et pour les plus costauds, sportifs, boxeurs, comme Ivan Drago, vous descendez dans la description. Le premier lien, c'est en cas où la vidéo soit bloquée et que vous puissiez la voir sans blocage, donc c'est le lien de la vidéo sur laquelle je vais réagir. Le deuxième lien, c'est leur chaîne YouTube, donc n'hésitez pas, prenez énormément de plaisir. On va voir cette chanteuse ukrainienne qui s'appelle Annie Lorac. On est parti, bonne écoute à vous et go go go. Yeah.
Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé. Moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, la voix, la musique est super bien choisie. Et avant la fin, j'allais dire que c'était un amour très compliqué. Et là, je suis en colère vis-à-vis de nous, ce qu'on est capable de faire. Enfin, pas moi spécialement, mais les hommes, ce que nous sommes capables de faire, de... d'avoir une double vie, de comme ça, de, d'utiliser le fait qu'une femme peut vite tomber amoureuse de vous pour la tromper dans son choix où on est déjà avec quelqu'un et on lui fait croire que, et ça, ça arrive beaucoup chez les hommes, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas comme ça, mais là, franchement, elle a fait, voilà, on parle un petit peu d'autre chose que la chanson, mais elle... Je trouve que c'est une très bonne chanteuse, Annie Torak. Donc j'espère que vous avez aimé. Mais franchement, la musique a bien été écrite pour elle. Je trouve franchement, j'ai une bonne voix en plus. Donc tout dépendra, mais on ira la revoir. Ça, c'est sûr et certain. Je ne m'arrête jamais à un seul choix de chanson. Donc pour ceux, mettez-moi le texte, hein, parce que effectivement, je le comprends le texte maintenant, effectivement. Enfin, je comprends le texte. Je comprends grâce au clip tout le truc de l'histoire. Et mes poils ont commencé à se dresser quand elle a commencé à se rapprocher de la chambre et sa façon de chanter a changé un peu. Il était vraiment plus en souffrance, vous voyez. Et voilà, donc n'hésitez pas à mettre le texte, il n'y a aucun souci, je vais réagir sur ça. On se retrouve demain. Demain jeudi, si je ne me trompe pas, jeudi pour les deux prochaines vidéos. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de tous ceux que vous pouvez aimer. Et on se retrouve demain pour les deux prochaines vidéos. Merci aux plus de 13 400 personnes qui me suivent.
ça monte tous les 15 jours, on gagne 1000 abonnés. Donc effectivement, ça peut aller très vite. Imaginez 52 semaines. Non, je disais, ah oui, 52 semaines, donc 26 semaines, on gagnerait et 26 000 abonnés. Ah, franchement, continuez, même si on peut gagner encore plus, ça serait cool. Donc n'hésitez pas à me proposer des chansons qui pourraient m'amener autre part pour me faire revenir d'autres abonnés. N'hésitez pas. Allez, on se retrouve demain pour les deux prochaines vidéos. Je vous aime très fort. À demain.